Lundi, 8h, la sonnerie retentit au lycée Carnot de Dijon. C'est le début d'une nouvelle semaine harassante pour ces élèves de classe préparatoire. Ces bêtes à concours, qui renoncent à leur vie sociale pendant au moins 2 ans, ruminent nuit et jour le désir d'exceller. Pour commencer la journée, ces cours de philosophie. En prépa, l'autorité des professeurs se fait ressentir. Asseyez-vous. Hippias. Oui. Fanny. Présente. Ératosthène. Oui, présent. Anaximandre. Présent, monsieur. Le cours à peine commencé que déjà les élèves se ruent sur leurs feuilles pour prendre des notes. Pour d'autres, les têtes sont lourdes. L'intensité du cours peut par ailleurs en dérouter plus d'un, à l'image d'Ératosthène, un brin lunaire. Mais il a dit quoi? Non mais ouvre tes oreilles, non, Ératosthène, fais un effort, il vient de le dire. Comment oses-tu dire cela? Lui qui affiche toujours de grandes ambitions. HEC, je le redis encore, HEC, vous étiez déjà venu faire un entretien il y a de cela 8 mois. Mes ambitions n'ont pas changé. En revanche, le niveau intellectuel de mes camarades, oui, ils ont stagné, si même baissé. Certains me reprochent parfois un excès de zèle, je dirais plutôt que je suis intelligent. Quelqu'un a une idée de le désir d'éternité, ce que ça signifie? Oui. C'est en fait dans l'âme de l'adversaire. Mais ça n'a rien à voir, vraiment. Rien à voir. Sa façon d'appréhender ses camarades n'a d'ailleurs pas changé. Mes camarades ne sont rien à mes yeux. Ce sont simplement des petites gesticulations qui errent sans avoir d'objectif. L'excellence ne se cultive pas partout, malheureusement. Si le sérieux règne en classe, il peut parfois y avoir quelques divagations entre enseignants et élèves. Toute présence est, semble-t-il, conscience d'une présence. Excuse-moi, monsieur. Oui. Pouvez-vous parler plus fort un peu? Je crois que nous ne vous entendons pas trop. Oui, oui, bien sûr. Alors, éliminé par le doute intéressant, le guésavoir de... Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Plus fort? Vraiment plus fort. Je disais que... Encore plus. Oui. Donc, Nietzsche... Nietzsche. Au chaud, là. Nietzsche. C'est intense vos cours là. Mais vous savez, comme on dit, la philosophie n'attend pas. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être une pédagogie un peu particulière, quoi. Mais bon, c'est vrai que les élèves adorent, hein, on va pas se cacher. Et puis moi, voilà, bah, je suis heureux, du coup, je pète la forme, comme on dit. Wouhou ! 10h, les préparationnaires peuvent souffler le temps de la récréation, mais pas pour tout le monde. Votre professeur de philo, il est souvent comme ça? Oui, il se permet parfois quelques digressions. Il est au-dessus, dans les essences. Vous me permettez, je... Et vous arrivez à suivre les cours? Vous me permettez, faut que j'aille réviser les conclusions du modèle ISL-MBP. Le quoi? Vous faites quoi dans la vie? Mais c'est la récréation, non? Oui. Et écoutez, HEC, ça va pas se faire les mains dans les poches, hein. Il faut dire que pour Ératosthène, chaque minute est bonne à prendre lorsque, rappelons-le, l'on a déjà cubé 3 fois. Cubé, qui signifie dans le jargon de la prépa, redoubler sa 2e année après un échec au concours. Il faut donc le faire pour cuber 3 fois. Hop hop hop, pas de temps à perdre, direction le cours de mathématiques. Bonjour. Il est 10h01. Tu sors? Bien. Aujourd'hui, je vous rends vos contrôles. C'est la panique! Tous craignent la mauvaise note. La remise des contrôles n'est pas une mince affaire, surtout en mathématiques où le coefficient est le plus élevé, 8 en prépa HEC. Joël, lui, reste cependant bienveillant envers ses élèves. Si vous voulez, on essaie de pas être trop exigeant avec les élèves. Voilà, mes collègues et moi, on est d'accord là-dessus, on va toujours essayer de les pousser vers la réussite. Alban, 2! La pression scolaire est telle qu'un 10 sur 20 peut suffire au craquage. Jean, 10, c'est pas mal. Putain, mais c'est trop... 10, gros bâtard. Abîme pas la copie. Et enfin, la place de major se joue entre 2 de vos camarades, Ératosthène et Anaximandre. Et c'est Anaximandre qui arrive en tête avec 16, suivi de Ératosthène, 15,9. Anaximandre, monsieur. Ératosthène. Et évidemment, on peut applaudir Anaximandre. Ératosthène est frustré.
D'après la formule des probabilités totales, la FPT. Pendant son cours, Joël n'hésite pas à interagir avec ses élèves. Si X et Y admettent un moment d'ordre 2, alors X plus Y admettent une variance E. Oui. Et V de X plus Y égale V de X plus V de Y plus cof de XY. Non. Oui. Et V de X plus Y est égal à V de X plus VY plus 2 cof de XY. Et plus généralement, on dira que V de AX plus BY est égal à A carré V de X plus B carré V de Y plus 2AB cof de XY. Parfait. Bon, on va... Bah alors, Eratosthène, ça m'étonnerait que t'aies HEC avec une mémoire si limitée. La concurrence est rude en prépa, si ce n'est féroce. Eratosthène, pas trop déçu de ne pas majorer. Vous savez, la prépa est un jeu. Et les notes font partie du jeu. Je ne dirais pas que j'ai échoué. Je dirais simplement que j'ai perdu une bataille, mais pas la guerre, comme disait mon très cher Napoléon en 1513. Je l'aimais bien, celui-là, ce personnage. Toujours est-il que Anaximandre a beau se vanter de ce 16 sur 20 en moyenne générale de maths, mais vantera bien qu'il se vantera le dernier. Bon appétit. Merci, vous aussi. Midi, direction maintenant la cantine pour Eratosthène. Un livre toujours à portée de main, son temps de déjeuner est compté. Pas plus de 20 minutes pour tout engloutir. Eh bien, Eratosthène, on mange seul. Eratosthène, c'est un peu un mélange entre de l'azote, du phosphore et des composés organiques. C'est une belle merde, quoi. Anaximandre a beau faire le malin. Mais n'en reste pas moins qu'à la fin de l'année, telle l'économie mondiale d'après-crise en 1929, Anaximandre tombera en dépression. Une fois repu, Eratosthène se dirige vers sa chambre à l'internat. Ici, c'est un peu son lieu sacré. Il contemple. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir une vie de philosophe, un peu hors du temps. À peine arrivé que ce jouvenceau se remette au travail sans rechigner. Au programme, 15 minutes de vocabulaire afin de parfaire son anglais pour les concours. C'est apaisant, une fois que l'on a fait ça. Tiens, il reste 15 minutes, vous me permettez ? Comme à son habitude, Eratosthène entreprend sa sieste quotidienne. Une sieste nécessaire et réparatrice, nous assure-t-il. En prépa, les temps de repos sont chers, ce jeune préparationnaire le sait. Ah, je sais. Edek ! Non ! Oh putain ! C'est bon, c'était un cauchemar. 13h, la course à la connaissance reprend. Tout de suite, ses cours d'anglais. L'occasion de partir à l'étranger le temps d'une leçon. Après avoir traduit quelques versions d'anglais, Eratosthène s'empresse d'aller réviser sa colle d'ESH, économie, sociologie et histoire du monde contemporain. En prépa, si la vie des préparationnaires n'est déjà pas assez semée d'embûches, c'est sans compter les colles. Les colles, ces interrogations orales qui ont lieu 2 à 3 fois par semaine, sont l'occasion pour ces jeunes chambrelans de montrer de quoi ils sont capables face à des sujets qui donnent du fil à retordre. La courbe de Phillips est-elle la courbe de Laffer ? Eratosthène, vous le sentez comment ce sujet de colle ? Un jeu d'enfant. Ils ont alors 20 minutes ici pour préparer chacun une réponse claire et cohérente au sujet. Leur mission ensuite, impressionner le colleur par leur éloquence. Car elle déroge de l'art. Dans un premier temps, nous verrons que la courbe de Phillips est dans une certaine mesure la courbe de Laffer. Cependant, néanmoins, toutefois, nonobstant, nous... En effet, Keynes dans... Quoi qu'il arrive, Eratosthène reste toujours avec la bonne humeur. Allô ? Vous savez, faut pas tellement voir ça comme un examen, faut plutôt le voir comme un exercice spirituel. Et vous avez combien du coup ? 6. Pourquoi vous m'avez pas mis 7 ? Au revoir. Ça y est, et c'est une fin de journée pour Eratosthène. Ce dernier peut enfin exulter et s'offrir un petit temps libre bien mérité. Tiens, Eratosthène. Anaximandre, qu'est-ce que tu fais là ? On part tout seul à ce que je vois. Je veux savoir combien t'as eu à ton dernier DS d'anglais ? Et je veux savoir comment t'as eu à ton dernier DS de maths. Statistiquement, il n'y aura qu'un seul de nous deux qui va aller à HEC. Et ce sera moi. Et bon, on verra ça au résultat. Petit ignore. Allez,
À samedi. De retour à l'internat, il est 21h et rebelote. Après avoir déjà entamé ses révisions puis être allé manger, Eratosthène s'adonne à ses révisions nocturnes. Le dernier effort de la journée, d'autant plus que l'on est vendredi soir, synonyme de dernière révision avant le devoir surveillé du samedi matin. En prépa, les élèves n'ont pas le droit au vrai week-end. Et du coup, combien de temps allez-vous travailler encore ce soir? Quelle heure est-il? 21h? Environ 4h. Mais vous allez presque pas dormir du coup. Platon dormait peu. Bonne nuit. Samedi matin, 8h, pour ces trompettistes de la connaissance, c'est le jour J. Ceux qu'ils redoutent le plus, le devoir sur table. Aujourd'hui, c'est 4 heures de philosophie où ils devront produire leur meilleure réflexion possible sur un sujet concocté par leur professeur. Un sujet pour le moins alambiqué. Très bien. Alors, le sujet est... Je... Je quoi, monsieur? Je? Vous avez un problème? Non, mais vous avez 4 heures. Je, ce sera donc le sujet du jour sur lequel ces élèves vont plancher durant les 4 prochaines heures. Le but de ces exercices, mettre ces jeunes dans les conditions des concours qui auront lieu à la fin de l'année. Dans ce genre de rendez-vous, certains ne manquent d'ailleurs pas de se faire discret. Yes! Ceci est une ironie. C'est ainsi que, semaine après semaine, ces différents protagonistes arriveront au bout du tunnel de la prépa. Eratosthène. Non. Non. Comment ça y est pas? Non. Et ben alors, on n'a pas HEC? Bah on n'a pas HEC? Non, on n'a pas HEC, non. On n'a pas HEC. Pas du tout. On cube? On cube. On recule? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.